Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, je vous prends presque ASMR parce qu'il y a bébé qui dort au-dessus. Alors vous commencez par prendre la farine dans un saladier, vous mettez vos épices carvi, mais c'est pas obligatoire, ça donne un petit peu de goût. Ensuite le sachet de levure, le yaourt nature que vous pouvez rajouter entièrement dedans, et puis vos 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Vous prenez votre cuillère cassée de préférence et puis vous venez mélanger. Après on pourra mettre les mains, vous inquiétez pas, mais au début c'est un peu chiant. Le jaune d'œuf, vous pouvez le mettre dans le lait et puis vous touillez, vous touillez, vous touillez. Le lait tiède de préférence c'est mieux. Vous rajoutez au mélange ensuite votre petit verre d'eau, le sel, une pincée, une cuillère de sucre. Là j'ai pris sucre de coco, j'avais pas de sucre blanc. Et vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Et puis après on va mettre les mains, hein. Ça va être plus marrant. Voilà, vous pétrissez la pâte histoire d'avoir quelque chose qui colle pas trop aux mains. N'hésitez pas à rajouter de la farine si besoin. Il faut que votre pâte arrive à être un petit peu élastique, facile à malaxer. Vous rajoutez un petit peu de ghee fondu, histoire de rajouter un petit peu de gras, tout ça. J'ai pas tout mis, ça va nous servir pour après. Ensuite, vous couvrez et vous laissez reposer minimum 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va pouvoir s'avancer sur les petits fromages. Je vous montre une petite astuce avec le film alimentaire. Je le mets partout sur mon îlot. Vous avez vu comment il est beau, elle est trop belle ma cuisine. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir plein de farine partout. Du coup, on met un petit tas de farine, on prend les petits fromages, les portions, on vient se fariner les mains. Et puis on prend les petits fromages. Moi j'en mets deux là, parce qu'on est gourmand en fromage et on adore quand c'est bien fondant. On rajoute de la farine et ça nous fait une petite boule. Après, bah tu patientes. One eternity later. Ok, donc là ça fait au moins 20 minutes, voilà à quoi ressemble ta pâte. N'hésite pas à remettre un petit peu de farine si tu trouves qu'elle a l'air un peu trop collante. Tu la remalaxes un petit peu. Tu fais des petits pâtons, donc là en fait j'essaye de l'aplatir, l'arrondir un petit peu, ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite un petit coup de rouleau histoire qu'elle soit bien bien lisse, tu rajoutes ta petite boule de fromage que tu recouvres et surtout tu viens bien colpater la pâte. Ensuite tu continues à reformer ton petit pâton, la forme la plus ronde possible, moi je suis vraiment pas douée pour ça mais en vrai on s'en fout. Et voilà, tu l'aplatis un petit peu, n'appuie pas trop fort pour pas éclater le fromage qui ressorte pas trop. Maintenant, tu viens chauffer une poêle pas trop épaisse. Là, je l'ai fait chauffer à 6 sur une induction, sans matière grasse. Une fois qu'elle est chaude, tu poses ton âne dessus. T'attends un petit peu, environ 3-4 minutes. De là, tu le retournes, tu badigeonnes avec du ghee dessus. Et tu attends un petit peu, tu vas voir que ça va commencer à gonfler. Tu peux monter un petit peu la chaleur, j'ai mis à 7, tu retournes et surtout tu remets un petit peu de ghee, t'attends 2-3 minutes encore. En vrai, je suis pas précise, mais la cuisine, c'est à l'œil. Et voilà ce que ça donne! C'est bien fondant, bien coulant, et je te conseille de l'accompagner avec un petit plat, genre poulet tandoori. C'est une dinguerie. Et je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et surtout, viens me taguer sur Instagram si t'as fait des cheese naan avec ma recette. Ciao!